Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo découverte à la découverte du jeu de cartes Marvel Snap. C'est une vidéo sponsorisée, je tiens à les remercier, ils m'ont permis de découvrir le jeu et je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va vous présenter un petit peu ce jeu de cartes qui met en avant les héros et les méchants de l'univers Marvel. C'est vraiment très cool, les stratégies sont ultra intéressantes, vous allez le voir, votre but ça va être de capturer des emplacements, des zones en fait, vous avez 3 zones, il faut capturer 2 zones afin de ressortir vainqueur et pouvoir battre votre adversaire, on a 6 tours pour ça, on a des pouvoirs avec des cartes qui ont des pouvoirs uniques, des terrains qui ont des pouvoirs uniques également, bref c'est vraiment une grosse dinguerie, j'ai pris un gros plaisir à découvrir ce jeu, je vais vous proposer un petit peu les meilleurs moments de ma découverte, si ça vous intéresse n'hésitez pas eh bien, à télécharger le jeu, le lien est dans la description, je tiens vraiment à remercier Marvel Snap d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de découvrir eh bien, mes héros et méchants Marvel préférés dans un jeu de cartes, je vous laisse découvrir ça tout de suite. On est donc en jeu et je m'en vais vous présenter donc Marvel Snap, on est sur le menu, alors vous avez plein de trucs, les collections, vous pouvez faire des alliances, vous avez le magasin, nous ce qui nous intéresse c'est donc de faire une partie afin que je vous présente un petit peu le concept, c'est ultra simple, véritablement vous arrivez comme ça sur un terrain, vous avez 3 zones à conquérir en 6 tours, vous venez de le voir. Vous avez chacun des terrains qui a un effet qui est révélé au fur et à mesure. Ici, par exemple, lorsque je pose une carte, eh bien, je gagne plus 3 pour les cartes qui n'ont pas d'effet. J'ai des points d'action qui sont là. Pour l'instant, j'en ai qu'un, vous voyez, donc je ne peux pas invoquer toutes mes cartes. Et les points qui se trouvent sur la droite sont justement les points qui vont me permettre de conquérir. Je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Par exemple, je vais mettre Quicksilver directement ici et je vais terminer mon tour. Et Quicksilver va donc me rapporter 2 points. Je vais avoir donc le nouveau camp qui va se révéler, qui me donne une carte en plus, vous voyez, c'était au niveau de son effet, donc c'est plutôt pas mal, c'est pareil pour mon adversaire. Et je vais directement pouvoir continuer, cette fois-ci j'ai 2 points, donc je vais pouvoir invoquer par exemple Star-Lord, qui, vous le voyez, a des effets, si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour, puissance plus 4, donc c'est assez cool. Je vais pouvoir par exemple le mettre directement ici, l'objectif va être véritablement, comme je vous disais, de conquérir le plus de terrain possible. De son côté, voilà, Star-Lord entre en jeu, et donc avec son effet, je passe à 6. Donc c'est plutôt cool, mais attention parce qu'en face, il est passé à 5. Et ici, directement, après le tour 5, toutes les cartes posées ici, sur d'autres emplacements, doivent être déplacées. Donc voilà un petit peu, c'est aléatoire à chaque fois, il y a énormément d'effets différents. Et donc là, l'objectif va être, comme je vous disais, de réussir à gagner. On a des personnages qui sont complètement fumés, je pense par exemple à Hulk, vous le voyez, 12, donc il se pose au dernier tour, évidemment. L'objectif là va être véritablement de se placer. Honnêtement, moi pour avoir fait quelques games, je trouve que le mieux c'est pas forcément de viser les 3 parce qu'il faut que je contrôle 2 des 3 terrains pour gagner. Donc l'objectif va être de bourrer pour obtenir les 3. Par exemple ici on a Ghost qui du coup ont toujours ces cartes qui sont révélées en dernier. Donc ça c'est plutôt bien et je vais pouvoir le placer ici directement afin de augmenter mes points. Je passe donc de 5 à 7. Pendant qu'ici, il est en train de placer Ant-Man et Star-Lord directement. On a également Iron Man. Iron Man, je suis très content de l'avoir et de pouvoir le présenter. Il est vraiment très cool. Iron Man, en fait, la puissance totale est doublée. C'est-à-dire que, par exemple, si je le mets là, je passe à 14. Donc lui, ça peut être très bien de l'invoquer, mais à la fin. Pour l'instant, je vais invoquer la chose. Et la chose, on va la mettre directement ici également. Et on va terminer le tour. Ce qui fait que je passe directement à 12. Et là, on arrive sur quelque chose de très intéressant. Vous voyez, ici, on s'en fiche un petit peu pour le moment. On va invoquer Iron Man. On va le mettre directement ici. En invoquant Iron Man, je vais passer donc de 12 à 24. Ça va être complètement fumé. Vous l'avez bien compris. Il est en train d'invoquer, du coup, ses cartes également. Mais, en théorie... Je suis Iron Man. Voilà. 24. Donc là, on est très, très bien. Même s'il est à 13... On est bien. Alors vous pourrez me dire, ouais mais là pour l'instant, t'es pas devant. Oui je suis d'accord, mais n'oubliez pas, il est là. Et là maintenant. En théorie, c'est win. En théorie, il n'y a pas de souci. Alors là je vous ai montré, voilà, un move assez, assez simple et classique, mais qui très clairement me permet... Alors... Eh ben je me suis fait avoir, comme un bleu, c'est une égalité. Ah non, j'ai gagné. J'ai gagné. Pourquoi j'ai gagné? Pourquoi j'ai gagné? Pourquoi j'ai gagné? Je ne sais... La différence. La différence de points cumulés. Exactement. La différence de points cumulés m'a permis de gagner parce que j'étais plus proche de lui que lui était proche de moi. Mais bon, du coup, je me suis fait à moitié avoir
par son Hulk, vous voyez, donc c'est pas si simple, mais c'est passé, on a eu de la chance. Alors faut voir aussi que, bon, plus j'avance, au plus c'est compliqué, on a des récompenses, voilà, qui me permettent de progresser dans, au niveau de mes rangs, voilà, on peut augmenter si on veut un petit peu les cartes, donc par exemple la Quicksilver, je peux l'améliorer directement, donc c'est assez pratique, voilà, qualité améliorée, supérieure, donc on peut faire pas mal de choses comme ça, et vous voyez que petit à petit, j'ai un arbre également qui grimpe, avec, là j'en ai 5, mais par exemple au 6ème, eh bien, j'aurai Khazar qui sera débloqué. Puissance plus 1 à vos cartes de coup initial 1. Donc c'est plutôt pas mal pour le coup. Et c'est vraiment très très cool. Alors vous avez également l'onglet collection. Qui est vraiment cool pour le coup. Vous pouvez changer vos decks. Vous pouvez améliorer vos personnages. C'est plutôt pratique. Vous avez évidemment du coup le magasin. Forcément. Hein. Le jeu, je le reprécise, il est gratuit. Donc évidemment, hein, vous avez des choses in-game si vous souhaitez faire des petits achats. Et vous avez du coup après votre... votre niveau, vous voyez, qui permet un petit peu, voilà, de débloquer. Il y a énormément de choses. Là, je fais que monter. Hein. Il y a énormément. Voilà. 300, hein, 400, bon, voilà. Vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Autant dire, hein, voilà. Il y en a plus de 1000. Donc, vous avez pas mal de choses qui sont faisables. Il y a également, du coup, bah, des petites récompenses quotidiennes que je peux récupérer en fonction, voilà, piocher des cartes, gagner un emplacement, donc il y a pas mal de choses. Je peux jouer une partie, terminer une mission quotidienne, améliorer les cartes, voilà, tout ça, c'était des choses que j'avais donc débloquées. Et on va pouvoir se refaire une petite partie, voir si au niveau de mes cartes, ça va un petit peu changer ou pas, voir au niveau des effets également. On arrive, alors, on a Quicksilver directement, premier tour. Le premier terrain, il, une fois que je joue une carte, sa puissance, elle est doublée, donc c'est très bien. On va remettre Quicksilver directement ici, on va terminer notre tour, ce qui devrait me permettre normalement de passer à 4, on va vérifier, il envoie Quicksilver également, du coup il le double à 4, tout comme mon Quicksilver va passer à 4, donc pour l'instant c'est la même chose. Ici, lorsqu'on joue une carte, on ajoute une copie de cette carte à votre main, ce qui est très puissant. Par exemple, si je joue Iron Man, lorsque je pourrais, j'aurai un deuxième Iron Man, ce qui peut être vraiment pour le coup assez broken. On a Medusa, qui est à l'emplacement du milieu, puissance plus 3 par exemple, ça peut être très intéressant. Et on a Star-Lord, vous le savez, si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour, puissance plus 4, ça peut être intéressant. On va envoyer, je pense, Medusa ici pour commencer directement, parce que vous le voyez, voilà, il l'a joué ici. Il y a des chances quand même qu'à un moment donné, il le joue ailleurs, et du coup, bam, on passe à 5 directement ici. Et j'ai encore une fois... Medusa. Et ici, puissance plus 3 pour les cartes sans effet, ici. Donc les cartes sans effet, il peut y en avoir. Alors Gamora, typiquement, elle a un effet. Nightcrawler, il a un effet. En fait, là, pour l'instant, toutes celles que j'ai ont des effets, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, je pense que ce qu'on va faire, on va essayer le coup de poker de le poser ici. Et j'ai encore la place également de mettre le Nightcrawler qu'on va mettre ici. Voilà, puisque j'avais assez d'effets. Qu'est-ce qui va se passer à présent? Est-ce qu'il va poser une carte au milieu? J'aimerais beaucoup qu'il pose... une carte au milieu, et il pose pas une carte au milieu. Ah, dommage. Dommage, ça aurait pu être assez intéressant de faire ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est un petit peu en dessous pour le moment. Il est à 12, je suis à 8. Il est en train, effectivement, de tous se les booster. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, ce sera de mettre Iron Man là. On va mettre Medusa directement ici. Et on va mettre également Star-Lord, on va se garder une place. Star-Lord, on va le poser ici. Directement, puisque je veux quand même garder une place pour Iron Man, qui va pouvoir s'invoquer au prochain tour. Et donc là, vous voyez, hop là, je viens de repasser devant, 18, directement. Il envoie Cyclope à droite, honnêtement, on s'en fout à droite, il peut garder ce terrain, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire surtout, donc, c'est qu'on va mettre Iron Man là d'abord, puisque ça va me renvoyer une copie dans ma main. On va terminer le tour. Là, je vais passer de 9 à 18, si j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Et grâce à l'effet du terrain, on me renvoie un Iron Man dans ma main, ce qui est complètement broken. En théorie, là, je vois encore une fois pas comment je pourrais perdre cette partie. Je pourrais mettre Hulk, mais ça n'a pas d'intérêt, puisque là, ce qu'on va faire... Ah, alors cela dit, oui, je vais passer de 18. Hulk, il m'aurait mis plus 12. Là, je passe de 18, on va lui mettre ça s'il veut, à 36. Ça va être broken. En théorie, je gagne très haut la main. Normalement, je ne le vois pas faire la même chose. Normalement. Je suis. Et voilà. Et même s'il déploie un Iron Man en face, c'est pas grave. 36 et 18, c'est une hécatombe. Pour le coup, je suis largement devant. Non, non, là, cette fois-ci, ça a été assez violent. Voilà. Voilà. C'est bien ce qu'on se disait.
Et on a toujours les petites récompenses, progression de rang. Voilà, donc je peux encore une fois l'améliorer. Ah non, je l'ai pas, j'ai pas ce qu'il faut pour l'améliorer. Vous voyez, on pourra prochainement l'améliorer. Et on s'en est plutôt bien sorti. Et je gagne encore une fois, du coup, des petites missions qu'on va récupérer ici. Voilà un peu, je voulais vous présenter en direct comment ça se joue. Vous voyez, c'est très simple à prendre en main. Et je trouve vraiment, pour le coup, que c'est très cool et très addictif. Voilà les amis, c'est là-dessus que va s'arrêter ma découverte de Marvel Snap. J'espère que vous aurez kiffé le principe. Véritablement, j'ai trouvé ça très cool de jouer avec les super-héros Marvel dans un jeu de cartes. On a pu débloquer quelques trucs, réussir des combats. C'est vraiment très cool. Vous avez vu, les stratégies sont très différentes en fonction et bien des terrains qui changent à chaque fois. N'hésitez pas à me dire si vous jouez un petit peu de votre côté. Vraiment, ça m'intéresse. Et puis, bah, n'hésitez pas à télécharger le jeu. Le lien est en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine.